Monsieur le maire, aujourd'hui, vous faisiez une tournée un jour, une nuit. Parlez-nous de cette opération. C'était au bassin à flot, à Bacalan. Oui, on reproduira d'ailleurs la même chose à la Bastide début juin. C'est une initiative qui a été lancée il y a un an pour rapprocher tous les acteurs de la nuit et ceux qui, je serais tenté de vous dire, peuvent la subir la nuit. Les riverains, les commerçants. Et on s'aperçoit que dans une ville qui est en fort développement démographique, et dès lors que vous avez des activités nocturnes, noctambules, il y a un impact sur l'environnement. Et donc l'idée, c'est de faire rencontrer les gens et trouver des solutions quand il y a des sujets à apaiser, le bruit, les déchets. Et donc le but, c'était de faire venir aussi des acteurs associatifs, des habitants, qu'ils visitent les établissements de nuit, qu'ils rencontrent les professionnels et pouvoir trouver des solutions, ce qu'on trouve régulièrement, pour apaiser les choses. C'était la dame, le théâtre, l'iBot, c'est ça? Oui, donc tout le secteur. Les restaurateurs, enfin tous ceux qui ont une activité économique, ceux qui résident et puis ceux qui interviennent à un moment ou à un autre comme les services municipaux pour traiter les déchets, de la propreté. Voilà. Donc, l'idée c'est que les gens se parlent et se découvrent mutuellement et apprennent à vivre ensemble.